Alors qu'il a disparu des radars médiatiques depuis plus de 10 jours, Vladimir Poutine enchaîne les révélations choc dans un documentaire diffusé hier sur la télévision publique russe. Dans ce reportage, enregistré avant sa mystérieuse disparition, le président affirme notamment avoir été prêt à tout pour récupérer la Crimée. Avons-nous mis nos forces nucléaires en alerte? Demande le journaliste de Rossiya 1. Nous étions prêts à le faire, répond Vladimir Poutine. Je l'ai dit ouvertement à mes collègues, c'est notre territoire historique. Des Russes y vivent et ils sont en danger. Nous ne pouvons pas les abandonner. Pourtant, dans un premier temps, Vladimir Poutine avait nié la présence de l'armée russe en Crimée, comme il dément aujourd'hui toute implication dans l'Est de l'Ukraine. Quant à la disparition du chef du Kremlin, le mystère reste entier. Les autorités avaient publié ces photos censées prouver que Vladimir Poutine s'était entretenu récemment avec le président de la Cour suprême. Mais le cliché a plus de 10 jours. Sa dernière apparition remonte au 5 mars, lorsqu'il a reçu le chef du gouvernement italien. Потери в связи с известными событиями.